Et voilà, nous sommes ici. J'espère, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, si au niveau du 11, tout est bien. Tout est bien. Et le match-up classico-classique, bien sûr, Testament contre Baïkan. Bon, je vais pas essayer longtemps de faire semblant de commenter, bien sûr. Mais au moins avoir une petite présence, donc Arco contre Killer Monkey. Le seeding de ce tournoi a été très difficile puisque eh bien, personne ne se connaît visiblement. Je suis en train de faire les balances en même temps. C'est un peu le moment de test. Hein. Waouh, je m'entends. Parle, okay. C'est un jeu qui est rapide. Nous sommes en BO3, première manche qui est remportée ici par la question de Marco. La pression ici dans le corner, est-ce que Tristan va pouvoir réussir à s'en sortir? Non, malheureusement, est-ce que ça va être perfect? On n'est pas loin, on est sur le dernier hit et non, on arrive à counter ici, sortir du corner enfin. Et on agresse tout de suite, mais on se fait avoir par un petit move. On égalise ici sur cette troisième manche de la game. Hier, qui m'a trouvé pour contrer Baïkan, son approche. En train d'ouverture, Fight Combo, Shikumi ici. Et on refait la même douille ici, la troisième fois qui passe pas. Ok, on trouve l'engage par le bas, on maintient l'impression. On reset pas mal neutral hein, sur cette manche. Le cross up qui est trouvé. Malheureusement, pas encore converti. Très bonne défense en dehors du testament, l'anti-air bien vu, et ça va être une finition quand même. Attention, on fait un gros boom, il y avait de la lumière, ça avait l'air de faire mal, mais je crois que ça a été paré. Le burst qui est claqué. Oh, bien vu! Le flingue qui fonctionnait. Et nous avons 1-0 pour Killer Monkey. Il a chop ici pour sortir de le corner et du coup on échange des places, le burst est caché pour éviter de mettre maintenant dans le corner. Et on est pas loin de. On arrive à maintenir. Viens, viens me rejoindre. Ah, c'est clair. Attention, 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 attention. Oui, le micro fonctionne. Les deux là, comme ça. Voilà. Parle pour voir. Moi, je t'entends bien. Ok, c'est parti. Hein. Alors, moi, je ne connais pas du tout le jeu. Ah ouais? Non, 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 mais moi, je viens là pour aider. Je suis trésorier de la société. J'attends le copain. Ah, moi, je joue à. Moi, je joue à niveau moyen, là, pour le plaisir à la maison. Donc, ouais, c'est bien. Du coup, je suis rejoint par. Par Satuanoise. Satuanois? Non, Satunoadu. Satunoadu. Ouais, voilà. Très bien, salut tout le monde, nouveau Mike avec nous pour commenter ce match entre Arco et Killer Monkey. La première game a été remportée par Killer Monkey. Et bah justement, là qui vient de prendre une bonne sauce samouraï comme on en fait les meilleurs dans le jeu. Et du coup, Killer Monkey, c'est la Baïkan, c'est ça? C'est ça, oui. Okay, là, ça va être compliqué de se rapprocher. Là, le coup, se rapprocher là pour pouvoir mettre un bon pressing. Bon, derrière là. Attends, on est mis dans le coin. On a le pressing, la top. Là, on va faire très attention à l'overhead avec ça passe là. Ça, c'est un mix-up qu'on voit pas souvent. Ah, la tire qui était très très bien trouvée. Hein. Ouais. Et on égalise. On égalise. Un partout. Juste pour information, les matchs. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Au global, je pense qu'on a des joueurs. On a principalement des joueurs.
C'est sa deux portraits, donc bon, voilà. Gentiment entre Nordic. Et on esquive le mur. Là, c'est vraiment là. Ça va, il y a beaucoup de... de fausses manips, on voit beaucoup de choses qui sont lâchées dans le vide. Ouais. Ça, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas. Ah bah le but c'est ça a été un petit peu un test, voilà, un test enfin voilà si la commune allait suivre, allait réagir. Et comme premier moment, 25 c'est vraiment énorme avec bien, 4 player base vraiment hein, parce qu'il n'y a pas le sentiment d'une commune locale. La preuve, tout le monde vient du même point mais personne ne se connaît. Ouais bah c'est ça, c'est toi la seule quand même pas mal plus compté. Il n'y a pas beaucoup d'anciens, hein. Moi, sur les 20 personnes, il y a 20 personnes, donc c'est pas une équipe de début qui a la chance qui est là. Ah, par contre, ouais, la porte est ouverte, ça fait un petit courant d'air. C'est un peu de nommer les Ok, oula, attention quand tu poses le micro, comme ça.